Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dragon Quest 8. La dernière fois, nous étions arrivés à Orkutskeke, qui est une ville a priori d'inspiration russe. Et nous étions à la poursuite du chien Léopold qui a tué encore un des sept sages, parce que je le rappelle, dans le lore, pour que Raftorn revienne à la vie, il faut que les sept sages meurent. Les sept sages qui l'avaient enfermé il y a des siècles dans un bâton. Et justement, ce bâton a pris possession d'un chien. Et le chien fait le tour du monde là actuellement pour tuer les derniers représentants de la lignée des sages. Et j'aime beaucoup cet endroit, hein. Je sais pas pourquoi, mais le fait qu'il y ait des trucs en souterrain, ça me donne des idées, quoi. Du coup, voilà, je cherchais l'endroit pour sortir. Parce qu'ils disaient qu'ils avaient vu le chien noir dans la cour intérieure. Oh, ça glisse! Oui. Du coup, j'imagine que le gars qu'on recherche est ici. On doit amener des herbes à quelqu'un. Tournez toujours sur la droite, le long du passage souterrain, et vous arrivez à même couleur de la chambre. D'accord. Toujours à droite. Il a pas l'air d'être présent, ou alors c'est un autre. Non, ça a l'air d'être chez lui, hein, parce que c'est des trucs d'herbe médicinale. Moisissure, moisissure rouge, plus moisissure à déloader, plus feuille d'hydrazine. Ok, enfin. À part si le truc ressuscite, je vois pas l'intérêt, sachant qu'une feuille d'hydrazine est toujours meilleure, quoi. Est un des meilleurs items du jeu. Donc il n'est pas chez lui. Propriétaire des shops qui vend des objets. Très bien. Ah, le gars qui est toujours éclaté au sol. J'imagine que là je reviens au. D'accord, non, je reviens ici. Coffre est verrouillé. Ce serait pas le gars qui vend des armes du coup, parce qu'ils sont deux. Ah, les armes, il les vend la nuit. Il se relaie. Stylé. En vrai, c'est pas con. Le vendeur de boucliers est là le jour et le vendeur d'armes la nuit. Et comme ça, le magasin est ouvert à H24 et ils se font des bénéfices tout le temps.
Alors toi, ouais. Dans le jardin aux herbes. Dans une grotte au nord-ouest. D'accord. C'est stylé vraiment que toutes les maisons soient reliées comme ça par des passages souterrains. Bon, du coup, il va falloir aller au nord-ouest de la ville. Le gars, il est toujours étalé là. Donc nord-ouest. Je sais, hein, je vais à l'est là. Est-ce qu'on peut faire le tour par là? Non. Dans une grotte où il fait pousser les jardins botaniques, donc ça doit être là-bas. C'est vrai que vu qu'il bosse sur la moisissure, a priori, et des herbes médicinales, c'est sûr que ça pousse mieux dans une grotte, vu l'environnement. Eh ben, pour que les méca chasseurs soient pétrifiés à ma vision. Il doit être sacrément fort. T'es un monstre toi? Ouais, c'est un monstre. Des chiens de l'enfer. J'imagine qu'il faut suivre les... Je vais dire faut suivre les lampadaires, mais non. Oh, puis on va y aller aux coups normaux. Bizarre ces plantes. A priori, ça prouve que je suis dans la bonne grotte si il y a des plantes étranges qui poussent ici. Ugh.
Ça veut dire qu'il faut que je fasse gaffe au plafond? A priori, oui. Non, les mecs à chasseurs me poursuivent. Ok, c'est juste qu'ils étaient lents. Machine à tuer, mecs à chasseurs, c'est pareil. Je crois que la machine à tuer, c'est au-dessus du mecha chasseur. Donne pas mal de points d'expérience ces machines. Encore ces plantes. Au moins c'est bien foutu. Les monstres de glace ne sont pas infectés par les dégâts de glace. Malgré la puissance de l'attaque de glace. Intéressant. Pour l'instant ce que je retiens c'est que le monstre qui me donne le plus d'XP c'est... Machine à tuer. Bon bah ok. C'était... Ah, c'était juste pour tester. Ah, je m'en doutais, mais je voulais être sûr. Petit coucou. Mais je t'aime pas, salut. Je vous avais dit qu'il était... Le gars qui change jamais de disque. Chien de l'enfer. C'est donc des maths. Puis c'est tout. Hop, voilà. Je me demande si je peux me faire one shot par ça. Ou c'est juste pour faire peur. Imaginez, je sursaute à ça, alors imaginez un jeu d'horaire. Ah par contre, ça m'empêche de revenir en arrière, non? Ah non, non. Ça m'empêche de repasser. Je vais éviter de dépenser tous mes PM. On va aller dans le méga crâne, ça coûte moins cher. Thank you.
Oh, toutes ces plantes médicinales. Ah. Un feu de camp. Il y a peu de temps. Ok. Donc il doit pas être loin. Mais il doit être poursuivi par le chien aussi. Techniquement. Parce qu'il doit être le descendant du sage. Là. Les plantes ont disparu ici. Ah, c'est pas qu'elles ont disparu, elles ont fané. Et Matt joue à Dead by Daylight. J'ai reçu un notif pour ça. Je devrais pas fuir, c'est bon, c'est ceux qui me donnent le plus d'XP. C'est un réflexe à la con. Oh, salut vous. Je vous connais, vous. Les glaciatueurs. Ils sont pas ensemble, ces saligots. Pour 4 monstres. On était à 600 avec 2 machines à tuer, hein, donc. Je pense que c'est les machines à tuer qui me donnent le plus d'XP, toujours. Oh, et ben ça va servir à quelque chose de. De faire tomber ces trucs. Passer. Il va falloir que je refasse tout le tour du coup après. Voilà. Ouais, ça glisse, très bien. J'ai pas des sorts de foudre, moi j'ai juste foudre normale, donc c'est pas fifou. Parce que c'est les sorts de foudre qui sont ultra efficaces sur... Ouais, machine à tuer. Mais dès qu'il y a les machines à tuer dans le tas, on monte vite au-delà des 1000 d'XP. Une cinquantaine de combats comme ça et je monte d'un niveau avec mon perso en tout cas. Plus ça va, plus c'est lugubre. Hein. Regardez les plantes au sol. Ça doit être de la moisissure ici. Vu comment c'est profond.
J'ai toujours pas fait la clé magique. Je devrais. Je sais. On va se prendre des blocs. De dégâts quand même. Eux, ils ont l'air de donner 200 d'XP, à peine, 230. Voire 220 plutôt. On arrive à la fin de la grotte là. Passer là. Ah. Oh. Is anybody there? Help me. I am too cold. I cannot move. Oh. On va aller activer le truc qui tombe, comme ça on pourra passer en face. Rien d'autre par là? Non, ok. Itou Joupi. Normalement, les herbes qu'elle nous a données, ça nous réchauffe. I am Marek, the herb doctor of Irkutsk. I was gathering herbs here in this cave when suddenly some wolves attacked me. I panicked and ran deep inside. Then I got trapped by the falling icicles and could not get out. I am so cold. I have to find a way to warm up. What is that bug you have? Did you get it from an old babushka called
Martha! So, she asked you to bring it to me. Can you open the bag for me? Look, Grass! I knew it! Dobroy! This will be perfect! Normally, we drink this diluted in tea, but... So, Nook Grass must always be diluted. At least it was not the powdered form. No one wants that up their nose. Anyway, now I am warm, that is for sure. Thank you. You have saved me, my friends. And she saved me too. Now I believe her old saying, that there is no bad without good. But how could she have known this would happen? If you are going back to Irkutsk, perhaps we could travel together. Oh, well. Thank you. If the wolves attack again, we are bet. Est-ce que je peux utiliser Evac? Ouais. Non. Have they been waiting for me? There are so many of them. Be careful. These are no normal wolves. Ah ouais. Moi, je ne suis pas un homme normal non plus. Strike! Ah, help me, friends! Why do they come for me like this? Et ils sont sûrement contrôlés par Zartone. He is not the one. I sense Sage's blood, but it is not him. There must be another. We must find the chosen heir of the... Ça va être la vieille alors, peut-être. What was that voice? And what does it mean by the chosen heir? I cannot understand. It cannot be real. Ou alors c'est le chien. Parce que rien ne dit qu'un sage ne peut pas être un chien. It is good to see you again, my friends. Thank you, forgive me, but there is something I must discuss with you. It is a private matter, so let me tell you the details in my room. Oui, parce qu'il y a un dépravé derrière, donc... Ça doit pas être loin d'ici, alors, sa chambre, par contre. First, I must tell you about Martha. I did not mean to hide it. There was just no time to tell you before. She is my mother. I should be the one to take over from her. I should look after the ruin behind the house when she is gone. So, I suppose you wonder why I am living here. The truth is, I abandoned my home. And my mother, too. She is a wise woman. I wanted to put all I had learned from her to good use. But I could not do that if I stayed in the mountains. So I made my decision to leave, and I came here to help the people of Irkutsk with my herbs.
and I should be happy, because I have helped them very much. But still, I am guilty for leaving my mother. All then, today, you appear with a bag of herbs she sent to me. I cannot tell you how happy I am. It makes me feel that she has finally accepted the choice I made. That's what parents are for. We always try to take care of our children and help them out if they're in a pickle. But I'm sure you didn't invite us here to tell us your life story. If I'm not mistaken, you have a favor to ask. Forgive me, you are right. There is something that is worrying me about my mother. You heard it too, that strange voice when the wolves tried to attack me. It said something about me having the blood of a sage. But that I was not the one. That it must find the chosen heir. Well, an ancestor of mine was a sage. One of the sages that sealed away the Lord of Darkness. D'accord. Donc ça va vraiment être sa mère qui va être visée. Ou le chien. On peut rester sur la théorie du chien. Oh putain, par contre, si les deux chiens se battent et que le gros meurt, oh, le trigger. I am worried for her safety. So I have decided to visit her and see that she is all right. And this is where I must ask you a favor. Will you come with me? I am a little uneasy about going alone. Bah oui, bien sûr. Спасибо. Then we must hurry. We should leave at once. Excuse me, Dr. Marek, but there is a patient here to see you. It is madness, drinking yourself into a stupor and passing out in the snow. Sorry, but I am in a hurry. All right, I will see you. I have no choice. Forgive me, I will come after you as soon as I hope that there will be no problem. But please, go and see that she is... Ouais, ouais, ouais. Y a pas de souci. Mais avant toute chose, nous allons sauvegarder et en rester là pour aujourd'hui. Sur ce, je vous dis à tous, ciao, à place. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode, du coup, pour la suite de tout ça. Normalement, je ne devrais plus être perdu maintenant. Oh, parce que à force, voilà, hein, on devait rechercher des trucs, mais là, c'est bon. Ça va. C'est un peu plus simple. Allez, salut à tous.